Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, si tu es dans ce lieu, c'est parce que le Seigneur a un travail à faire en toi. Il a un travail à faire en moi. Le Seigneur veut déverser sa grâce, il veut déverser sa bénédiction. Nous allons lever nos mains. Alors, tu veux que tu puisses dire ce matin, Seigneur, ils ont chanté ce matin, nos frères et nos sœurs, alléluia. Je te donne mon cœur, dis-lui, je te donne mon cœur, Saint-Esprit. Parle-moi, alléluia. Saisis mon cœur. La parole n'est pas pour simplement l'autre. La parole doit être d'abord pour moi, Saint-Esprit. Alléluia, Sandolobo Sheke. Que ta parole me révolutionne. Ferme tes yeux et demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, révolutionne. Révolutionne ma vie. Je veux un changement dans ma vie. Je veux un changement et il commence d'abord dans mon cœur. Il ne commence d'abord dans mon cœur. Il commence d'abord dans mon cœur. Il commence d'abord dans mon cœur, dans ma pensée, Seigneur. J'ai besoin de t'en toucher, Saint-Esprit. Souffle sur mon cœur. Souffle sur chacun de nous, Saint-Esprit. Alléluia. Prie le Saint-Esprit encore quelques instants. Dis, Saint-Esprit, parle-moi. Convainc-moi ce matin. Donne-moi une parole qui me restaure. Donne-moi une parole qui me transforme. Donne-moi une parole qui me relève. Donne-moi une parole qui me fortifie. Donne-moi une parole qui me bénisse. Alléluia. Oh Seigneur, merci d'abord pour le précieux sang de Jésus-Christ qui couvre chacun de nous, qui couvre toute cette salle. Le sang de Jésus sur nos cœurs, le sang de Jésus sur nos pensées, le sang de Jésus-Christ sur nos yeux, le sang de Jésus-Christ dans nos oreilles. Seigneur, que tout en nous, Seigneur mon Dieu, tout en nous, Seigneur, tout en nous te glorifie ce matin. Saint-Esprit, fais ton œuvre en chacun de nous. Je viens déclarer renverser toute hauteur, tout raisonnement, toute forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ en chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que toute puissance de rébellion à l'évangile soit liée et vaincue. Que toute puissance de doute, d'incrédulité soit liée et vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit contraire ce matin soit déclaré lié et vaincu. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je viens déclarer la victoire de la croix, la paix du Saint-Esprit, la visitation de l'Esprit dans chaque heure ce matin. Que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, pour la gloire du nom de l'Éternel ce matin. Et nous disons un grand Amen, alléluia. Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui nous accorde un jour nouveau. Béni soit l'Éternel qui rassemble son peuple dans sa maison afin de l'honorer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci encore au Seigneur? Merci Seigneur. Vous savez, chaque fois que je me rends compte que je suis dans ce lieu, je dis merci Seigneur. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ailleurs, il y en a qui ne peuvent pas le faire comme nous. Oui, il y a des choses qui sont encore améliorées en ce lieu et en chacun de nous d'abord. Allez, l'Église, c'est nous, hein, bien-aimés. Amen. Amen. L'Église, c'est toute personne dans ce lieu. Alléluia. Donc, si on dit dysfonctionnement, c'est dysfonctionnement quelque part en chacun de nous. Mais le Seigneur est là pour amener la restauration. Le Seigneur est là pour amener un mieux-être. Le Seigneur est là pour permettre la prospérité. Alléluia. Pour faire prospérer chacun de ses enfants. Le Seigneur est là pour nous transformer. Le Seigneur est là pour éclairer. Alléluia. Et il est le Dieu qui pourvoit ce matin. J'aimerais que tu t'attendes à ce que ton Dieu pourvoie. Amen. 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 Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mon Dieu pourvoit. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Amen. Vous savez, le courage, lorsque nous l'avons, nous pouvons le décrire comme étant une force morale qui nous permet d'affronter les difficultés, n'est-ce pas? Et pourtant, il arrive que quand les difficultés arrivent, il arrive que nous perdons courage. Il arrive que nous tombions dans le découragement. Peut-être à cause d'une rupture amoureuse, peut-être à cause d'un divorce, peut-être à cause d'illusions. Nous croyons certaines choses et finalement, il s'avère que ce n'est pas ça. Alléluia! Vous savez, parfois, j'ai vu des jeunes gens dans une filière et finalement, ça ne leur plaisait plus. Ils sont tombés dans le chagrin, ils sont tombés même dans le désespoir.
des personnes qui vont travailler, qui perdent la joie parce qu'ils ne sont pas là où ils voudraient être finalement. De quelque manière que ce soit, peut-être des factures, des situations inattendues peuvent nous emmener dans le découragement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et vous savez, il y aura toujours des difficultés. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, on était jeunes et on était plusieurs. On se disait, ah oui, avec le toucher de Dieu dans notre vie là, les choses ne seront plus les mêmes et tout sera parfait. Nous avons vite été désillusionnés. Il y aura toujours des difficultés. Mais notre assurance, c'est qu'il est avec nous, l'éternel Dieu. Alléluia. Et qu'il y a toujours une issue favorable pour ceux qui se confient en lui. Amen. Et vous savez, il y a une personne dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une en particulier qui va nous servir de modèle, qui est passée par un temps de découragement et qui a su aussi le surmonter. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30. Béni soit ton nom. Donc avant de prendre lecture de la parole du Seigneur, je veux un peu resituer le contexte donc du récit que nous allons voir ensemble et qui doit nous parler, qui nous concerne chacun de nous ce matin. Amen. Donc nous avons affaire à David. David est dans la ville d'Affect, aux côtés d'Achish, qui dirige les Philistins, qui sont ennemis du peuple d'Israël. Vous entendez bien, hein? David est dans le camp donc ennemi avec Achish, le roi qui gouverne les Philistins. Et finalement, il s'avère que les princes des Philistins s'opposent à la présence de David qui était amené normalement, de par sa présence, à combattre le peuple d'Israël avec les Philistins, son propre peuple. Mais devant l'opposition donc, des princes des Philistins, il est contraint de retourner dans sa ville, Siklag, où il fait un constat, dans laquelle il retourne donc, et il fait un triste constat. C'est qu'elle est détruite, elle est brûlée. Et ses femmes, donc les femmes de David, et d'autres qui s'y trouvaient, ont disparu. David et le peuple tombent dans l'affliction, dans la désolation. Et finalement, David surmonte son état. Il consulte Dieu, il se relève donc, il combat et il réussit à récupérer tout ce qui avait été ôté. Alléluia. Nous allons faire une lecture progressive ensemble. Nous allons commencer d'abord au verset 1, donc 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers donc les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. On va s'arrêter ici d'abord. Vous savez, parfois il arrive que nous soyons dans des alliances, dans des engagements, dans des affaires que Dieu ne veut pas. Vous savez, des fois, on est là avec des personnes par sentiment. Vous voyez, David était avec Achish, donc dans le camp des ennemis d'Israël, le camp de l'ennemi, des ennemis du peuple de Dieu, certainement par affection. Parce que dans le chapitre 29, on voit qu'Achish dit qu'il n'a rien à lui reprocher, que David a toujours été bon avec lui. Et pourtant, finalement, il y a une opposition qui se lève. Les princes de Philistins disent, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces Hébreux parmi nous? Alléluia. Vous savez, on s'engage dans des choses, dans des mariages, dans des affaires avec des gens, dans des relations. Alléluia. On prend des fois des orientations dans lesquelles, pour lesquelles Dieu n'a pas donné son approbation. Et vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui précipite ses pas tombe dans quoi? Dans le péché. Et ce qui n'est pas produit, ce qui ne relève pas de la conviction, alléluia, est péché.
Nous poursuivons ensemble notre lecture, donc au verset 3, 4, 5. Alors, que nous dit le Seigneur ? David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Voilà, vous voyez, si je reprends les premiers versets qui ont conduit jusqu'au verset qu'on vient de lire, David est au mauvais endroit et il constate donc que la ville est détruite, qu'elle est brûlée. Mais vous savez, malgré le rejet, malgré l'opposition, nous pouvons quand même nous assurer de quelque chose, c'est que Dieu demeure fidèle. Alléluia. Vous savez, malgré même nos désobéissances, Dieu manifeste sa fidélité. Nous pouvons dire même heureusement que Dieu est resté aux côtés de David, parce qu'il a été épargné. Ce qui lui appartenait, qui a été ôté, a été quand même sous couvert de la protection du Seigneur. Amen. Amen. Malgré nos fautes, Dieu est toujours là. Et nous devons veiller à ne pas donner donc accès à l'ennemi. Amen. Là, vous savez, au verset 3, 4, 5, on voit que la ville était détruite, qu'elle est brûlée. Vous savez que parfois, tout le monde l'a déjà vécu, moi je lève déjà la main. Alléluia. Le diable, il aime se plaire à voler des choses dans nos vies. Il vient voler, il vient brûler ta joie. Il vient brûler ta tranquillité. Il vient même brûler l'assurance que Dieu a déposée lorsque tu lui as donné ta vie. Il vient voler cette assurance-là. Il vient voler la confiance. Il vient voler l'estime de soi. Alléluia. Il vient voler l'entente que tu avais avec peut-être tes enfants, ton mari, ton voisin, ta voisine. Il vient voler l'entente dans les relations. Il vient voler, il vient brûler. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais te réveiller en toi-même. Parce que la Bible est claire, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Lorsque tu te trouves dans la tristesse, pose-toi cette question, reviens à la parole du Seigneur. Que dit la parole de mon Dieu? Que me dit mon Dieu? Parce que si je suis dans cette affliction, je sais que cela n'est pas agréable à mon Dieu, parce que j'ai déjà entendu, j'ai déjà chanté, que Dieu dit, réjouissez-vous toujours. Alors pourquoi nous, chrétiens, sommes-nous dans la désolation? Pourquoi sommes-nous tristes quand la parole de Dieu nous dit de nous réjouir? Alléluia! Ce matin, j'aimerais t'inviter à te révolter. Il y en a, et ça fait trop d'années, trop de mois. Vous savez, il y a des tristesses qui sont cycliques, chroniques. Il y a un moment donné, il faut que tu dis stop. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin stop avec moi? Stop ce matin à toute tristesse récurrente, à toute dépression, toute déprime récurrente. Tu n'as envie de voir personne. Tu n'as envie de contacter personne. Peut-être que même lorsque tu croises des personnes, tu boudes. Tu as le visage fermé. Il faut que tout le monde sache que tu as mal. Jusqu'à quand? Puisque Dieu dit qu'il prend soin de toi et réjouis-toi. Il faut te révolter ce matin devant le voleur, devant le destructeur, devant le père du mensonge. Vous savez où est-ce qu'il doit être? Sous tes pieds. Amen. Il doit être sous nos pieds. Alléluia. Alléluia, parce que nous avons reçu autorité et pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés, voyons ensemble les causes du découragement. Parce qu'il faut que ce matin, nous mettons toutes ces causes dehors, tous les symptômes. Parfois, on peut se dire, je vais bien, mais il y a quelque chose, il y a un malaise qui est caché dans le cœur. Ou un malaise caché dans ta pensée. Alléluia. Vous savez que parfois, on a des forteresses dans nos pensées. Ce sont des idées préconçues qui sont là, et au fur et à mesure qu'elles restent là, elles grandissent. Elles nous influencent dans notre façon de marcher, dans notre façon de faire, dans notre langage. Alléluia. Et ce ne sont que des mensonges de l'adversaire qui sont là pour t'empêcher d'être dans le bonheur que le Seigneur a prévu pour toi. Vous savez, parfois, on encaisse des blessures.
Parfois, on se dit qu'elles sont soignées, mais elles sont mal soignées ou pas du tout soignées. Je ne sais pas ceux qui sont dans ce lieu, quand on était enfant, je me rappelle, lorsqu'on se blessait, on avait des écorchures. Le temps de la cicatrisation, il y a une croûte qui se forme. Et souvent, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'attendre que la croûte ne tombe, que tout se sèche, eh ben, on commence à jouer dedans, on essaie. Je parle à quelqu'un, il y en a qui s'oublie. Il y en a qui commence à gratter un petit peu, tu vois que la blessure qui faisait peut-être un centimètre, la croûte est enlevée à moitié. Mais la plaie est toujours vive, on voit que c'est rose. Rose-rouge, alléluia. Mais voilà, vous savez, ça nous arrive. On a été blessés. Mais comme on ne pleure pas au pied de Dieu, comme l'a fait David, le temps passe. Le monde dit que le temps guérit. J'aimerais dire ce matin, faux. J'aimerais te dire que c'est faux. Ce n'est pas le temps qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Ta mentalité, ton langage, soi, doit être renouvelé de plus en plus. Alléluia. C'est le grand consolateur qui va te guérir et qui va me guérir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes encore dans le monde, oui, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes de la cité céleste de notre Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Justice, paix et joie doivent nous habiter par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le bon samaritain, lui, il a soigné par l'huile et le vin. Donc c'est ça, lorsque nous manquons de l'onction et de la révélation du Seigneur, les blessures ne se guérissent pas comme Dieu le veut. Nous sommes comme ces petits enfants, on essaie de gratter un petit peu avant. On se dit, Seigneur, je viens près de toi, mais quelque part, le travail n'est pas complet. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit le faire complètement. Alléluia. Donc nous avons encore mal. Il y a encore de la colère, il y a encore de l'amertume. Alléluia. Et parfois, cela révèle un état de manque de pardon et de faux pardon. Alléluia. Soit il n'y a pas du tout. Il y en a qui refusent aujourd'hui de pardonner. Ils sont enfants de Dieu, mais quand leur frère ou leur soeur les a blessés, ils refusent même de pardonner. Bien-aimé, il y a danger. Est-ce que quelqu'un dit avec moi danger? Il y a danger. On vient de le voir, c'est une ouverture directe au diable, au démon. Il y en a qui ont perdu leur vie comme ça. Un manque de pardon. Ils se sont couchés sur leur colère. Alléluia. Et le drame est arrivé. Veillons, bien-aimés. Ce matin, nous sommes ensemble parce que Dieu veut que nous puissions veiller. Alléluia. Que chacun soit à son poste. Que chacun, comme j'aime le dire, soit dans son couloir pour recevoir de la part du Seigneur quelque chose de nouveau. Amen. Et continuez d'avancer. Car c'est la volonté de notre Père. L'accumulation de déceptions. On encaisse, on encaisse, on encaisse. Le temps passe, on encaisse. Nos yeux voient, nos oreilles entendent. Des paroles négatives. Même à notre sujet, on encaisse ça. Cela nous fait mal. Alléluia. Et cela donc nous envoie après dans l'abattement, dans le découragement. La vie perd de sa saveur. Alléluia. N'avons plus goût à la vie. Alléluia. Parfois, il y en a qui viennent. Quand tu réalises que le Seigneur t'amène dans sa maison et que tu es dans l'état que je viens de décrire, tu peux te réjouir déjà pendant que je parle. Parce que le Seigneur, ça veut dire qu'il prend soin de toi. Tu aurais pu rester chez toi. Vous savez, la dépression, ça va loin. Les gens qu'on voit marcher dans la rue, qui sont dans l'égarement, il y a le processus qui les a emmenés là. Il y a un processus que le diable a orchestré pour les amener dans ce... à ce niveau bien-aimé. Donc toi, dis-toi, moi je le dis à chaque fois, quand il y a des choses qui m'ont choqué et qui ne m'ont pas emmené à l'hôpital, en cas de Saint-Claude ou qui côté encore, alléluia, je rends grâce au Seigneur. Amen. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a un jingle qui passe sur une des radios séculières et je l'entendais cette personne dire dans ce jingle, « On coude l'homme kachouye moun ». Vous savez ça? On coup de langue pétouillé au monde. Oui. Mais petit abondier, pas cachouillé. Alléluia. Si tu tournes dos au coup de langue, justement, dans l'amour du Seigneur, tu vaincras, mon frère, ma soeur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu seras toujours vainqueur.
Ta victoire est dans l'amour. Ta victoire est dans le pardon. Amen. Les calomnies, les médisances. Il m'est arrivé souvent d'encourager des frères et des sœurs. Je leur dis, mais ils ont toujours des facteurs de mauvaises nouvelles. Dès que tu les vois, tu te dis, quelqu'un dit non, comment on appelle. Alléluia. Des facteurs de mauvaises nouvelles. Je finissais par dire, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Toujours des mauvaises nouvelles. Et la mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de l'angoisse dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Elle met un malaise dans ton cœur. Il faut fuir ces personnes, frères et sœurs. Les gens qui ont toujours des ragots, il paraît que, ou savent qu'est, et tout comme leur démonstration, ou savent qu'est, fuis ce monde à ça. Ça t'amènera dans un désert spirituel si tu ne le fais pas. David, il était là par affection. Il aurait pu se. Il est justement, il est notre exemple. Il était là par sentiment. Certainement par affection, sentiment. Il n'était pas là où Dieu le voulait. Et ça l'a emmené dans le découragement. Fuis ces personnes, mon frère, ma soeur. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Même aux jeunes, je parle aussi comme ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, quand il y a des séparations à faire, Dieu connaît. Alléluia. Ce que nous perdons, Dieu le restitue dans nos vies. Amen. La distraction peut nous mettre dans le découragement. Vous savez, il y a des choses qui viennent nous distraire. Hein? Amen. Des ambitions que nous nourrissons en nous et que nous ne voyons pas se réaliser. Le temps passe et ça ne se réalise pas. Il n'y a pas d'aboutissement. Cela nous pousse dans le découragement. Le temps même devient une épreuve, puisqu'on voit que les choses n'arrivent pas. Donc on se lasse. Des prières qui ne sont pas encore exaucées. Des insatisfactions, comme je disais tout à l'heure, récurrentes. Quand tu prends espoir, tu te dis, ah, au nom de Jésus, par la foi, tu viens. Et finalement, ce n'est pas encore ça. Alléluia. Des choses que tes yeux voient. Peut-être dans l'église, dans ta famille, dans ton quartier, le pays. Tu te dis, mais oui, mais nous avons prié. On dit que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas. Des insatisfactions récurrentes. Ça aussi, ça emmène dans le découragement. Ça aussi, ça emmène dans l'abattement. Vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle la malnutrition spirituelle aussi. Des chrétiens qui sont nés dans des églises. Où ils ont souffert d'enseignements qui n'étaient pas justes. Alléluia. Qui n'étaient pas dans la vérité. Qui n'étaient pas fondés dans la vérité. Alléluia. Manque d'enseignement ne te permet pas d'être, comme dit Dieu, l'arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que chacun de nous doit avoir des racines profondes, alléluia, fondées sur le roc qu'est Jésus-Christ de Nazareth, amen, qui a sauvé chacun de nous et qui nous assemble ici ce matin. Alléluia. Amen. Plus tes racines vont être appuyées, fondées sur le Seigneur, quels que soient les orages, quelles que soient les tempêtes, si un tsunami se lève contre toi, tu restes planté, tu restes au même endroit, tu restes fidèle à ton Dieu, tu restes fidèle, les yeux fixés sur le Seigneur. Même si c'est clair, l'orage t'a grondé au kakimbé. Donc, a dit qu'un bé fort, au kakimbé raide. Alléluia! Solide! Le manque de constance dans la prière, ça je l'ai vécu jeune aussi. Il m'est arrivé même d'en vouloir à Dieu. Je suis passé par un temps. Tout allait bien dans les études. Et une fois que je suis arrivée, tiens, à l'université, my God, la première année, j'étais à l'ouest. Je faisais des choses, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est la même année, si ça faisait quoi, j'avais trois ans de conversion. J'ai vu commencer aussi à avoir des comportements dans l'église aussi. Ah oui, il faut nous parler de ça. Hein. Alléluia. J'étais jeune, il y avait une qui travaillait, je me rappelle, au lycée. Mais de voir comment elle avait parlé aux jeunes, j'ai dit, mais cette dame, elle vient prier, elle sert la Sainte-Seine, elle est avec moi à l'église. Et je regardais mes camarades, j'ai dit, mais eux, ils ne savent pas, mais moi, je sais. Alléluia. Mais ça nous a offensés, ça nous a laissés perplexes. Alléluia. Et c'était le début d'une déception. Mais le Seigneur a parlé, pourquoi tu veux être déçu? C'est un être humain, il a ses défauts comme il a ses qualités, comme toi aussi, tu as tes défauts et tes qualités. Alléluia.
Mais vous savez, à un moment donné, si on ne retourne pas à la parole de Dieu, on peut même passer par un désert spirituel. Un désert, un temps de désert, de lassitude, de dégoût. On perd le goût. Alléluia. On peut venir à l'église, mais comment on dit ça encore? C'est pire au caméléon. Le cœur n'y est pas. Comment ça dit ça? Quand vous voulez faire. Guavine, quand vous voulez faire. Bonjour, Sarah. Oui, ça va. Alléluia. David, lui, nous sert d'exemple. Parce qu'il a crié avec ses gens, son peuple. Ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont gémi. Mais à un moment donné, on lit dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'on lit? Que pouvons-nous lire? Au verset 6, « Qui fut dans une grande angoisse. » Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il parlait, donc le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume, donc même les siens voulaient le lapider. Ça arrive aussi. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris courage. Vous savez, au début, quand on est dans la déprime, la dépression, on entendra des personnes nous dire « Fais-toi violence, il ne faut pas que tu restes comme ça, il faut que... » Mais on n'a pas envie d'entendre ça. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas envie d'entendre ça. Des fois, tu es seul, tu as envie de rester seul. On n'a pas envie d'entendre ça. Et pourtant, ce sont des paroles justes et vraies et bonnes. Amen. Jusqu'à ce que, justement, ces paroles feront leur travail dans ton cœur. Et comme David, s'il a repris courage, c'est qu'il s'est fait violence. Je voyais des fois ma grand-mère faire ça. Et calmement assise, ou quelque chose l'a embêté, et gardez-moi, Timon, hein, on se secoue. Alléluia! Alléluia! On se secoue! On dit, on change d'orientation. Je change d'attitude. David a repris courage. Amen. Donc ce matin, il faut que toi et moi, nous puissions reprendre. Même si tu dis que tu as du courage, le Seigneur a demandé de t'examiner pendant que nous sommes en train de partager la parole. Comme je disais, il peut toujours avoir un petit chouïa quelque part de caché dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Comment se fortifier? C'est ce que nous allons voir ensemble. Puisqu'on a vu les causes du découragement, on a vu que oui, le découragement se manifeste avec plusieurs symptômes, mais comment faire pour se relever comme David s'est relevé? Quel formidable don que le parler en langue. Moi, je l'ai vraiment. Bon, au début, j'avais peur du parler en langue. Quand il y avait des orateurs qui venaient et qui faisaient prier pour le parler en langue, vous savez, il y a cette position qu'on a, veut pas. Je parle à quelqu'un encore ce matin. Tu veux, mais en même temps, tu veux pas. Tu es hésitant. Alléluia. Je suis assis pendant un temps aux jeunes gens comme ça. Et je me rappelle, c'était pendant la période au cours de laquelle ma mère traversait un temps de délivrance. Donc, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de l'église venaient prier à la maison. Et j'assistais avec eux. Hein. J'étais encore jeune converti, mais je participais à la prière avec eux. Et il y en a un qui m'a dit, mais ma soeur, pour que tu soutiennes ta maman aussi dans le combat, quand tu vois des choses aussi. Alléluia. Tu as le pardon, donc. Et j'ai reçu comme ça. Il a prié pour moi, j'ai reçu. Il faut aspirer à ceux qui ne l'ont pas. Aspirer, demander au Seigneur. Il y avait une chante aussi ici. Elle avait dit que c'était un matin. Elle avait l'habitude de se réveiller à 5h du matin pour prier. Mais ce jour-là, pour le réveil, pour la prière, il y avait un désir plus ardent que d'habitude. Elle a commencé à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu. Et les langues inconnues ont commencé à descendre. Alléluia. Elle est rentrée en profondeur dans la présence de Dieu et le parler en langue est descendu comme ça. Aspirez au don, dit le Seigneur. Amen. C'est pour ton édification. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ceux qui ont le parler en langue, je me permets de dire vous, parce que je discute des fois avec des frères et sœurs. Est-ce que quand des fois tu te sens dans des temps où tu sens que tu n'as pas envie de prier avec intelligence, penses-tu à prier en langue? N'importe où tu peux prier, même en langue, intérieurement. Alléluia. Dans ta voiture, tu es seul, tu peux parler en langue à voix haute pendant que tu es dans un embouteillage ou un ralentissement. Alléluia. Alléluia. En tout temps, Dieu nous veut en prière. Donc, nous saisissons tous les moyens que Dieu nous donne. Amen. La louange, l'adoration, la prière, dans la prière, nous incluons les demandes. Louer, adorer Dieu égale prier aussi. Amen. Se nourrir de manière constante de la parole. Alléluia.
Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Bien-aimé, il faut se rappeler de ce que Dieu a fait. Quand tu commences à te rappeler de ce que Dieu a fait, cela nourrit ton cœur de joie, de paix aussi. Amen. Confesser ses fautes, confesser ses péchés aussi est un moyen de se fortifier. David l'a fait. Déclarer la parole de Dieu, les promesses du Seigneur avec foi. Cela nous permet aussi de renouveler nos forces et consulter le Saint-Esprit. David l'a fait aussi, afin de recevoir ses directives. Amen. Car quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Lorsque nous marchons sous la parole du Seigneur, nous pouvons voir des situations changer, transformer. Amen. Amen. Et nous allons le voir donc au verset 7. Nous poursuivons notre lecture. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc les faux. » Abiathar apporta les faux à David. Alléluia. Nous voyons ici que donc David a consulté Dieu. Et j'étais en train de lire, quand j'ai lu ce verset, il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce qu'il dit, il dit au sacrificateur, apporte-moi donc les faux. Même les faux ont un sens aussi. Alléluia. Les faux ont une signification. Il n'a pas demandé les faux comme cela. Alors, tantôt on dit que les faux est une forme de statue et en même temps une tunique. Au fur et à mesure, dans l'Ancien Testament, qu'on évolue dans les livres, les faux est une tunique que prenaient les sacrificateurs, les prêtres, pour recevoir les oracles de l'Éternel. Et en même temps, ils expiaient leurs péchés. Ça a du sens pour vous quand je le dis? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? David a reconnu qu'il était au mauvais endroit, et à cause de ça, il a été volé par ses ennemis. Alléluia! Ce qui l'a plongé dans le découragement. Alléluia! Donc, il reconnaît son erreur. Le fait de retourner à l'Éternel. Parce que là où il était, c'était sans l'Éternel. Mais là, on dit bien qu'il reprit courage et qu'il va ensuite consulter l'Éternel. Il demande les faux pour aller consulter l'Éternel. Et les faux, donc, a ce rôle d'expier son péché et de recevoir ce que l'Éternel a à dire. Amen. Amen. Quand nous réalisons justement notre état de dépression, d'affliction, de tristesse, la première chose est de demander pardon à Dieu. Parce que nous faisons Dieu menteur, parce que nous avons vu qu'il nous dit de nous réjouir. S'il y a une tristesse en nous, la bonne tristesse, c'est ça justement qui nous rappelle par le Saint-Esprit que nous étions dans l'erreur et de revenir. Parce qu'il y a une tristesse qui n'est pas agréable à Dieu, c'est la tristesse selon ce monde. Amen. Nous poursuivons ensuite notre lecture. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Au verset 8. David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je ses troupes? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Nous devons donc nous laisser diriger par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Dieu vivant, pas par nos sentiments. Vous savez, j'ai vu des relations comme ça. Je me rappelle, il y avait un frère qui je me rappelle qu'on avait partagé ça il y a des années. Il disait que, il me demandait conseil en tant que jeune femme. Il me disait, c'est bizarre. Ma femme a une amie, mais je sens que cette relation n'est pas juste. Elle n'est pas la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de bizarre dans cette relation. C'est comme si cette personne exerce une domination sur ma femme. Même quand je lui dis, mais fais attention, elle se met en colère. Alléluia! Je dis, mais ça, ce sont les symptômes qu'il y a un esprit contraire. Il y a un esprit contraire à celui de Dieu. Alléluia. Et vous savez que parfois, on peut avoir des amitiés comme ça. Bien, mais si tu dans celui, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui exerce une domination trop forte sur toi, prie. Alléluia. Je dis, prie. Et s'il faut s'éloigner, tu peux t'éloigner. Alléluia. Tout dépend de la relation. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Nous voyons donc en poursuivant notre lecture, verset donc après 8. Dieu lui parle, Dieu lui donne les directives,
Il le réconforte en lui disant, poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Il y a déjà une victoire qui est assurée. Alléluia. Verset 9, David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Comme je le disais un peu avant, et là je le dis encore plus en profondeur, il y a des séparations qui sont nécessaires. Ne regarde pas au nombre dans ta vie. Il y a des gens qui pleurent, ah, mais j'ai pas suffisamment d'amis, j'ai pas, surtout quand on est jeune, j'ai pas. Bien aimé, attention, Dieu ne regarde pas au nombre, hein. C'est la qualité qui compte. Et l'amitié, elle se vérifie dans le temps. Une fois, depuis enfant, je m'étais dit ça, donc j'avais peut-être 10 ou 11 ans. Quand je voyais les comportements, des uns des autres, les camarades, je disais, mais non, il y a des camarades qui sont faux, qui sont hypocrites. Alléluia. J'ai grandi en me disant, celui ou celle qui veut être mon ami doit me mériter. Et j'ai entendu Bishop le dire il y a un an. Après des années, je l'ai entendu le dire dans une prédication ici. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les pensées des fois qui viennent, tu les pèses, tu te dis, est-ce que c'est la chair qui parle? Est-ce que c'est l'orgueil qui parle? Alléluia. Mais il y a une partie de vrai. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un veut être ton ami, il faut que cette personne soit juste. De même que toi, en tant ami de quelqu'un, tu dois être une personne honnête, juste et fidèle. Amen. 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 Donc il y a des séparations qui sont nécessaires pour nous permettre d'avancer, d'être dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous poursuivons notre lecture. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger quoi? Et, ah, c'est très important ça. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Vous savez, mes frères et sœurs, nos ennemis sont indispensables. Souvent, hein, c'est prêché ici. Amen. Alléluia. Vous savez, même quand il y a des opposants, cela est nécessaire pour ton avancée, pour ta transformation même. Alléluia. Alléluia. Pour te permettre de vivre aussi le plan de Dieu. Amen. Si Joseph n'avait pas été vendu et trahi par ses frères, il n'aurait pas connu l'élévation qu'il a connue et qui nous sert d'exemple encore aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut passer parfois par ces chemins pour vivre le plan de Dieu pour sa vie. Donne à manger à tes ennemis. Donne à boire à tes détracteurs. Fais-le avec amour. Ne te dis pas, tu le fais et puis il y a des gens qui le disent, en la pour moins voyer. Ça pas bon, quoi maudit. Ça pas bon, quoi maudit, Mouna. Alléluia. Et la malédiction reviendra sur toi. Il faut le faire de tout cœur, disant, comme pour plaire à Dieu. Jésus, lui, a été trahi. Jésus a eu mal aussi. Amen. La croix même était trop lourde, il s'est fait aider. Parfois, il faut se faire aider aussi. Amen. Il faut accepter les aides qui viennent vers toi. Que tu pèses, alléluia, que tu discernes comme étant dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Mais il faut donner de l'eau et à boire à tes ennemis. Dieu te le rendra, mon frère, ma soeur. Vous savez, j'ai occupé un poste à un moment donné. J'ai vraiment vu l'opposition. J'ai vu l'homme fort vraiment se lever. J'ai dit, Seigneur, suis-je au bon endroit? Est-ce que je veux encore continuer? Dieu me disait de garder le silence et de prier. Parfois, je rentrais chez moi, ma mère me voyait. Je rentrais, je disais à peine bonjour, j'allais m'agenouiller, pleurer, cracher aux pieds de Dieu. Il faut cracher. Tu as été choqué, tu as été en colère, il faut aller vomir. Amen. Et demander au Seigneur l'amour. Amen. Seigneur, l'amour. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a un moment donné, avant de voir la victoire, Dieu a commencé à dire, parce que je l'avais même entendu ici,
Relativise un peu sur ta situation. Prends les bons côtés. Alléluia. C'était comme le petit poussé avec les petits cailloux. Alléluia. Je commençais à chercher les points positifs. Amen. Ce qui me faisait du bien. Je commençais à bien aimer la délivrance est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au rez-de-chaussée, je me suis retrouvée à l'étage. Promotion. Ça a fait jaser, ça a fait parler. J'ai tourné le dos. Amen, alléluia. J'ai dit, je prends ma bénédiction. Il y avait une chanson, hein. Bénédiction, la qu'à tomber, et puis nous qu'à prendre. Alléluia. Nous qu'à prendre. Faut prendre. Mais avant, faut disposer au prendre. Faut préparer pour prendre. Alléluia. David a observé un processus que nous allons voir. Il a reconnu son erreur. Il a consulté le Seigneur. Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné des directives. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a même rencontré son ennemi. Vous êtes sur des processus, hein? Les mêmes personnes peut-être qui te font du tort, qui parlent mal, fais-leur du bien toujours. Alléluia. Fais-leur du bien. Donne à manger, donne à boire de tout ton cœur. Pas comme j'ai dit, en là pour moi. Non. Alléluia. De tout ton cœur, comme le faisant pour le Seigneur. Et mon frère, ma soeur, Dieu ne ment pas. Dieu dit que ce que nous semons, nous le récolterons. S'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. S'il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps pour récolter. Alléluia. S'il y a un temps pour faiblir, il y a aussi un temps pour se relever. Et je dis aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour pour que nos mentalités soient réveillées, révolutionnées ce matin. Amen. Que nous puissions considérer les choses de manière différente. Amen. Regarde la vie sous un angle différent. Verset 17. David a donc livré combat. Parce qu'il fallait qu'il récupère ce qui lui a été volé. Et il a battu donc ses ennemis. Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi des femmes. Verset 19, qu'est-ce qu'il dit? On dit un moment dans le verset 19, David ramena, ça c'est important, il faut que tu le dises fort, regarde-le, écris-le fort. David ramena, David ramena, David ramena, David ramena, tout ce que le diable t'a volé ce matin, je viens te parler, parce que nous sommes en train de clôturer, tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable a brûlé dans ta vie, ce matin tu dois te remettre en question et dire pardon Seigneur, et je décide de me relever, je décide de récupérer, je décide de prendre ce que le diable m'a volé, la ferveur pour servir mon Dieu, la ferveur pour prier, alléluia, je récupère tout ce matin, dans le nom de Jésus, et nous allons nous mettre debout. Parce qu'il faut récupérer. Alléluia. Tu ne dois plus rester dans la défaite. Rester dans la tristesse. Accepter ces tristesses récurrentes. Alléluia. Elles sont cycliques. Un jour tu es en haut, un autre jour tu es en bas. Un jour tu es en haut, un autre jour tu es en bas. Aujourd'hui tu dois dire stop. Tu dois te révolter en toi-même et dire stop. Stop pour toi-même. Stop aussi pour ton frère et ta soeur. Stop pour l'église. Alléluia. Si chaque enfant de Dieu est debout, comme Dieu le veut, mon frère, ma soeur, l'église va être révolutionnée. La prospérité va venir, alléluia. Les choses vont avancer dans le nom de Jésus Yeshua. Mais il faut d'abord que toi et moi, nous soyons bien réveillés. Amen. Et il faut te dire aussi en toi-même, je ne vais plus me laisser faire. Dis-le avec moi. Je ne vais plus me laisser faire. J'ai reçu la vérité. Et la vérité me libère. La vérité me guérit. La vérité me relève. La vérité me délivre. Au nom de Jésus-Christ. Avant que nous prions, je te le demande encore une fois. Es-tu prêt à te révolutionner ce matin? Es-tu prêt à te révolter contre tous ces symptômes, ces états qui viennent tout le temps? Et même que tu vois, moi j'ai dit à un moment donné, je suis fatiguée de les voir dans certains frères et sœurs ici. Je suis fatiguée Seigneur, ce n'est pas ta volonté, nous sommes membres les uns des autres. Quand je vois ma sœur affligée du 1er janvier au 31 décembre, ça me fatigue Seigneur. Parce que ça c'est le plan du diable,
Ce n'est pas ton plan pour ma soeur. Ce n'est pas ton plan pour mon frère. Ce n'est pas ton plan pour moi. Ton plan est que je sois debout. Ton plan est que mon frère soit debout. Ton plan est que ma soeur se réjouisse. Le sourire qui va jusque derrière les oreilles. Assez d'être pressé comme un citron. Assez d'en vouloir aux autres. Nous en voulons parfois même au diable, aux autres. C'est nous qui sommes fautifs. Parce que Dieu veut que tu te révolutionnes. Il veut que tu te décides. Il faut une décision. Il faut une ferme résolution de dire je ne céderai plus. Je ne vais plus me laisser voler. Vous voyez, il y a une qualité de personne comme ça, ça c'est le diable. Elles sont naïves. J'ai vu des enfants comme ça parfois. Je venais les bousculer. Mais pourquoi tu acceptes les coups comme ça? Pourquoi tu te laisses toujours dépouiller par les autres? Refuse ça, va voir la maîtresse, va voir le directeur. Alléluia! Il y a une catégorie de personnes comme ça. Aide-moi. Révolutionne-toi aujourd'hui. Parce que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. Nous allons élever nos mains. Nous allons fermer nos yeux. Chacun va encore rentrer en lui-même. Même si tu estimes que tu es debout, moi je me prends pour moi aussi. Il y a toujours quelque part dans notre cœur une zone d'inconfort, une zone de tristesse qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous allons lever nos voix et nos mains en fermant nos yeux. C'est entre toi et Dieu, ce n'est pas ton voisin ni ta voisine. Ce n'est pas moi, c'est toi, parce que papa aime chacun de nous. Je dis papa aime chacun de nous ici. Demande pardon à Dieu d'avoir cédé au mensonge de l'ennemi. Parfois il y a eu des préjugés. Tu as pensé qu'un tel t'en voulait alors que c'est faux. Ce n'est qu'un mensonge du diable pour te faire perdre ta joie et ta paix. Alléluia. Nous demandons pardon à Dieu. Car nous sommes membres les uns des autres. Quand mon frère a péché, c'est moi aussi, j'endosse la faute. Quand j'ai péché, il va endosser. Ma soeur va endosser aussi la faute devant toi, Seigneur. Alors je viens te demander pardon. Élevons la voix. Élevons nos voix et nos mains et nous demandons pardon à Dieu avant. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons été parfois irréguliers dans la prière. Nous avons été réguliers dans la méditation de ta parole. Tu nous veux soupirant vers toi, révélation, vérité, onction, pour cicatriser les plaies dans nos cœurs. Nous avons été dans l'attente que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous prenons conscience, comme David l'a fait, que nous avons une part de responsabilité. Nous sommes fautifs. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, toute négligence envers toi. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, toute infidélité. Pardonne-nous l'amertume. Nous demandons pardon à Dieu pour les murmures. Nous demandons à Dieu pardon pour les bavardages inutiles. Pardon, Seigneur, pour les ragots. Pardon pour les jalousies. Pardon pour l'envie. Cette tendance à te comparer avec l'autre. Tu es toi, l'autre et l'autre. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tout doute. Pardonne-nous tous les désespoirs. Pardonne-nous toute incrédulité. Pardonne-nous parce que nous avons été méchants parfois avec notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Ce matin, dis Seigneur, je te demande pardon et je reçois ton pardon. Je reçois ton pardon. Bien-aimé, si tu es dans ce lieu et il y avait des personnes à qui tu en voulais encore ce matin, libère-les de ton cœur. Sois décidé parce que ta victoire est dans le pardon. Ton bien-être intérieur est dans le pardon, complet. Pas à moitié, complet. Seigneur, je libère ces personnes de mon cœur. Libère les prisonniers, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime, Dieu aime chacun de nous. Dieu connaît, Dieu comprend, Dieu restaure. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Nous saisissons ton pardon ce matin. Nous saisissons ta grâce ce matin. Nous saisissons ta miséricorde ce matin.
Seigneur, nous avons reçu cette vérité qui relève, qui fortifie, qui édifie. Seigneur, nous avons aussi, Seigneur, revu que nous avons des droits. Nous avons des devoirs et nous avons aussi des droits. Alléluia. Tu nous as donné autorité. Tu nous as donné pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne nous nuise. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Deuxième partie de notre prière. Maintenant que tu es bien réveillé, tu vas te mettre debout. Ceux qui n'étaient pas, tu vas te tenir debout comme tu peux. Ceux qui ne peuvent pas peuvent rester assis. Mais ceux qui ont encore de la force ce matin, tu vas marcher dans cette salle et tu vas récupérer ce que l'ennemi a volé. Pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer, tes études, ta vie professionnelle, tout ce que le diable a pu voler, récupère. Il y en a qui se disent, je vais chercher, qu'est-ce que je peux récupérer. Dans ta famille, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Récupère ce que le diable a volé. L'unité qu'il a volée dans ta famille, récupère. Tu aurais pu être déjà à un autre niveau spirituel. Le diable vient souvent t'arrêter. Quand tu sens que tu commences à décoller spirituellement, il y a quelque chose qui te ramène encore en arrière. Ce matin, déclare que j'arrête ce processus de recul au nom de Jésus. Déclare-le fort, mon frère, ma soeur. Tout ce qui t'empêche d'avancer, dis, je le taille en pièces ce matin. Tout ce qui m'empêche d'avancer, il faut élever la voix, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Je parle à quelqu'un dans ce lieu. Je parle à des hommes et des femmes de prière déterminés en ce lieu, car le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce matin, sois armé de violence spirituelle pour récupérer dans le corps de l'ennemi ce qui t'a volé. Il y en a qui voulaient entreprendre des projets, mais ils ont été arrêtés et découragés. Dis, je reprends mon zèle, je reprends ma hardiesse, je reprends dans le nom de Jésus tout ce que Satan tu m'as volé. Il y en a qui ont des timidités, on voit vraiment que c'est démoniaque. Tout ce que tu veux entreprendre, tu as peur, tu es angoissé. Tout ce que tu dois faire avant de le faire, tu ressens un stress. Coupe ce matin. Dis-toi, Satan, toi qui veux voler ma paix, je te déclare lié et vaincu. Car dans la parole du Seigneur, il est écrit que je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour marcher dans la peur des choses, la peur d'entreprendre, la peur d'exécuter des choses. J'ai reçu l'esprit de force, d'amour, de sagesse, de révélation. Et je déclare ce matin que j'avance. Et que le trio est fort ce matin. J'avance dans le nom de Jésus. Ceux qui parlent en langue aussi parlent en langue. Oui, Satan, tu dois lâcher. Tu dois lâcher. Toi qui amènes des tristesses et des primes chroniques dans les vies, tu es lié. Tu es vaincu ce matin. Je déclare que le feu de Dieu consume et brûle. Oui, tout ce que tu as planté dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, que cela soit brûlé et consumé à la racine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a volé ta santé. Récupère la bonne santé. Récupère la bonne santé. Nous maudissons la maladie. Là où elle est cachée dans les corps. Nous te maudissons maladie. Là où tu es caché. Nous te maudissons dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de la croix. La paix du Saint-Esprit, la joie de l'Esprit dans les cœurs. Au nom de Jésus, le peuple déclare victoire ce matin. Le peuple déclare, j'ai la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je suis béni. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis la tête. Jeune homme, jeune fille, toi qui passes les examens, dis, je réussirai. Peu importe les circonstances, je suis la tête. Mon succès est assuré. Dans le nom de Jésus. Nous acclamons fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow.
Vous pouvez prendre place, nous allons écouter Bishop Eli qui va intervenir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Tout est vanité des vanités sous le soleil. Donne ton cœur à Jésus, mon ami. Jesus, love you. Jesus, love you. You can sing. Ooh, ooh.
Otemana yonakolo.